Les films Canal sont, on va dire, c'est comme des films d'auteur. Voilà, il y a une vraie histoire, une vraie intrigue, il se passe quelque chose dedans. Il y a un vrai travail d'acteur, tout comme il y a un vrai travail sur les scènes de sexe. Mais c'est vrai que pour une fois, on a l'impression de regarder un vrai film avec des scènes de sexe explicites. C'est un film de Cosmo Olivetti, si je me souviens bien, le titre c'est Amour en ligne. Je me souviens particulièrement de la scène entre Anissa Kate et Titoff. Qui est pleine d'émotions, on sent qu'il y a une vraie alchimie entre les deux. Et c'est également le premier film que j'ai découvert sur Canal+. Voilà, j'en garde un souvenir particulier parce que vraiment cette scène, elle est pleine d'émotions, plein d'envie. On sent vraiment que les deux acteurs se sont bien trouvés à ce moment-là. Oui, ça a impacté ma sexualité parce que tout simplement, quand tu vois ce genre de scène, t'as envie d'être à la place des acteurs. Et c'est, je pense que c'est le but d'un film X, c'est de te dire j'ai envie d'être à la place du mec ou j'ai envie d'être à la place de la fille. Et c'est vrai que cette scène, elle m'a vraiment donné envie d'être dedans, tout simplement, de refaire la scène. Elle était fantastique, vraiment.